Bonsoir, bonjour. Ça va le pendant là que vous regardez des vidéos, c'est un moment de Tito TV qui vient ensemble avec un nouveau vidéo pour vous aujourd'hui hein, qui vient toujours rapport ensemble avec Excel. Donc avant que nous avançons avec l'exercice là, nous avons salué les amis Sayo, Tanko Lagué Antoine, Chanel Laoute via l'éducation, Nivelle des styles. Donc, et l'autre ami que je ne vais pas citer, au moins saluer nous. Donc, ou même quand vous regardez des vidéos, ça qui peut vous abonner ensemble avec Chanel là, faites ça qu'on y a, activez cloche notification pour ne pas rater yon dans vie de nous. Donc, on avance pour nous comment que nous sommes capables de résoudre l'exercice. Je dis, un supermarché veut accorder des rabais à ses clients. Mais le supermarché a monté un club qu'il appelle Club de l'âge d'or. Lors de son achat, si le client détient une carte de membre du club, il doit à 15% de rabais s'il achète pour plus de 300 $ de marchandises. Même s'il n'a pas la carte, il doit à 10% de rabais. Si en même temps le client a sa carte et achète pour plus de 300 $ de marchandises, il doit à la fois aux deux rabais, soit 15% plus 10% égale 25%. Sinon, le client n'aura rien. Donc, c'est un petit exercice ça, nous allons essayer de résoudre ensemble. Donc, ça, tout en affaire avec français, on a parlé. Donc, on essaie de traduire ça, nous dire. Donc, supermarché a voulu bah, rabais avec moun ki abitue vin achete nan magazin ou bien nta di nan market la. Donc, premier bagay li di, on gade la, li di si kliyen gen 4 klub la seulement, mais tout sa la pa achete yo, ya fon rabè de 15%. Seulement si li gen 4 la. Et deuxième condition li di, si kliyen li men li achete plus ke 300 $, plus que 300 $, ça veut dire à partir de 300, 301 ou bien 300,5, etc. marchandises. Donc, même s'il pas gagné 4 là, il y a un rabais de 10% pour lui. Donc, il dit qu'il y a encore 6 clients ça, li acheter pour plus que 300 $ marchandises et li gagné 4 là encore. Donc, client ça, il vient faire un rabais double pour lui. Donc, si je dis ça, un rabais babé moustache. Donc, première, puisqu'il gagne 4 là, au fond, rabais de 15%, puisqu'il a acheté pour plus de 10%, donc, il vient un rabais de 25%. Mais si il y a une condition, ça va pas respecter, eh bien, moun ça, il pas besoin rien. C'est cet exercice ça que nous allons essayer de résoudre. Donc, on entre directement sous Excel. Donc, ouais, y'a nous au moins quelques clients. Ouais, Fabienne et Janvier, Régine, Poula, Anne Foucha, etc. Et là. Donc, là, où elle a marqué 4, donc ça c'est 4 là. Où elle a marqué oui, il y a côté qui marqué non. Ça veut dire, à partir de oui, on a gagné 4 là. Non, on n'a pas gagné 4 là. Donc, ça c'est comme on a pas l'acheter. OK? Quand c'était comme il vient acheter, ou quand c'est comme l'acheter. Donc, nous allons regarder combien rabais yo fait pour moun sa yo. C'est ça yo mandé pour nous faire dans l'exercice là. Pas oublier que nous toujours disons Excel li bay li accorde yo moun et nan formule pour mettre seulement 3 conditions. C'est à partir de 3 conditions seulement ou capable et lancer dans Excel. Il va prendre plus. Donc on allait. Donc moi, toujours dis nous dans Excel, toute formule commence par un signe égal. Mais, on petit bémol, on peut le mettre pour nous là. Donc, puisque il y a 3 conditions, nous voulons, nous devons aller directement dans la condition qui est plus forte pour nous venir dans la condition qui est plus faible là. On tourne dans le côté exercice là, hier. On a commencé en bas parce que, faut nous connaître un client qui gagne ni 4 là et qui achète pour plus de 300 $. C'est là, nous devons commencer. Parce que si nous passé, tant que nous avons suivi le texte à Jean-Lia, ou après, il y a une formule qui n'est pas applicable. Nous devons commencer de plus haut jusqu'au plus petit. Donc, c'est comme ça pour nous aller. En aller,
dans Excel. Donc, qui ça nous dit dans Excel? Toute formule commence par un signe égal. Donc, nous mettons égal, non? OK? Qui ça nous dit? If, c'est anglais, puisque version bien c'est anglais lié. Si. Donc, là, nous allons utiliser une condition imbriquée. Pour qui ça? Parce que si mon ligne 4 là, l'achète pour plus que 300$, donc, ou est là, une condition où elle est N, qui c'est E en français. Première condition. Mais si mon ligne 4 là, ça veut dire oui. Si B5 égale à oui, pour qui ça moins mette côte là? Parce que moi te dis nous en Excel depuis ces lettres ou mettez ou si vous mettez la mi-temps côte. Donc si mon a gain 4 là, ça veut dire oui, il gain 4 là. Deuxième bagaille, si cob li gain ou cob la l'acheter a, li supérieur à $300. Ou là? OK. Qui ça yo dit pour moun ça gagne? Cob lien, li gagne un rabais de 25%. Eh ben. Li doit gagne un rabais de 25%. Ça c'est premier bagage. Si moun na gagne 4 et cob li acheté à supérieur à $300, li doit gagne un rabais de 25%. Condition ça finit. En deuxième condition. Il dit si mon nan li gagne 4 là. Oh si mon nan li gagne 4 là, et pas ça on garde pour nous. Deuxième condition, si l'achète pour OK, si mon nan acheté plus que $300, ouais, si mon nan acheté plus que $300, même l'elle pas gagne 4 là, ouais. Si mon nan li acheté pour plus que $300. C'est and parce que condition li imbriqué. Si l'acheté ouais supérieur à $300, là si mon acheté pour plus que $300 et même s'il pas gagne 4 là. Ouais, et même si li pa gen 4 là. Ouais, et même si li pa gen 4 là. Mais qui ça moun sa li même li pral gagner? On regarde pour nous. Mais attendez bien, si moun nan li acheté pour plus que $300, même li pa gen 4 là. Et même qui ça a fait, yo fon rabais de 10% pour li. Le fond rabais de 10% pour lui. Donc, eh ben, l'autre monde qui ça a été dit pour lui. Eh ben, puisque nous finissons avec ça, eh ben, on a les pour nous. Toujours if. Eh ben, si mon a seulement gagné qui ça a tourné dans l'exercice là, ouais, si client gagne seulement 4 là, n'a balle seulement 15%. Donc, ça veut dire que si mon a gagné 4 là seulement, OK. La condition ça pas imbriqué. Ouais, condition ça li pas imbriqué, mais si moun nan gen 4 là seulement. Si moun nan gen 4 là seulement, OK? Mais qui ça yo di n'a fait pour li? Mais cob li a, il a fond rabais de 15% pour li. Là, eh bien, si yon nan condition pa, sa ou pa respecte, eh bien, yon di moun sa pa venan, eh bien, ki sa nou fe, nou seulement mette kote, espace, kote, et bin ferme. Premier parenthèse, parce que mte toujours di nou sa nan Excel. Ouvre 20 parenthèses, ou ferme 20 parenthèses. Nou ferme deuxième parenthèse ou. Nou ferme troisième parenthèse ou. Lè nou fini ki sa nou fe, nou valide avec enter. Donc, nou wè ke Fabien et janvier li gen un rabais de $39. Donc et si nous t'avons fait un petit exercice pour nous pour nous vérifier est-ce que c'est vrai n'a pas une calculatrice
pour nous laisser vérifier pour nous. Est-ce que ça nous ouvre? Donc, puisque Ligue 1 4 là, depuis le Ligue 1 4 là, il y a un rabais de 15% pour lui. Et maintenant, fait 260. Voilà. Multiplié par 15% et puis validé. Ah bon. Ça son est allé. Mettez 39, c'est 260 multiplié par 15%. Donc, où est que l'égal à 39$? Donc, c'est ça que nous venons tout fait. Donc, par exemple, mais si on a fait pour l'autre, on toujours dit ça, de pour faire un calcul pour yon. Ou pas besoin à l'appliquer encore, ou seulement kembe ça et pour draguer. Et puis, ou fait pour tout. Donc, on fait CTRL Z pour nous, ou bien ou fait seulement double clic, et puis tout le monde joint. Donc, ou même qui peut vous abonner ensemble avec Chanel là, fait ça qu'on y a, activez cloche notification pour pas rater yon nan vidéo nous yo. Posez question que, ensemble avec Wondetito TV, nous la pour nous avancer ensemble avec Excel. Donc, n'a venu avec l'autre vidéo et pas longtemps dans l'autre domaine. Donc, ciao, ciao, à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.